Bonjour, dans cette vidéo, je veux voir avec toi comment on fait pour déterminer les abscisses à l'origine d'une fonction du deuxième degré à partir de l'équation sous sa forme canonique. Donc, voici une équation, f de x est égal à 5, x moins 6 au carré moins 125. D'abord, avant d'essayer de chercher de façon algébrique les zéros de la fonction, ce serait pertinent de savoir est-ce qu'il y en a des zéros dans cette fonction-ci. Donc, puisqu'on a l'équation sous sa forme canonique, on est capable d'aller voir rapidement quelles sont les coordonnées du sommet. Dans ce cas-ci, c'est 6 moins 125. Donc, 6 moins 125, j'ai un sommet qui est ici dans le quatrième cadran. On observe le paramètre A. Le paramètre A étant positif, donc ici, la fonction va être tournée vers le haut. Donc, elle admet deux zéros. Donc, je vais pouvoir aller les chercher de façon algébrique puisque je connais l'existence des deux zéros. Comment je fais? Bien, habituellement, c'est toujours la même chose. Lorsque vient le temps d'aller chercher les abscisses à l'origine, ce qu'on cherche, c'est les valeurs de x pour lesquelles le y vaut 0. Donc, dans ta situation ici, tu demandes à ton équation quelles sont les valeurs de x pour lesquelles le y vaut 0. Donc, on écrit l'équation en remplaçant le y par 0. On pose donc une équation du deuxième degré. Lorsqu'on observe l'équation du deuxième degré que j'ai ici, j'observe que mon x n'est pas encore au carré, il est à l'intérieur d'une parenthèse au carré. Donc, au lieu d'appliquer le concept qu'on utilisait avec les polynômes du deuxième degré, c'est-à-dire de se ramener à une équation égale à zéro, ici, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est d'aller isoler mon x en utilisant les concepts de la balance. Donc, j'y vais. Je vais isoler mon x. Donc, je vais d'abord appliquer une opération qui va me permettre d'éliminer ma constante ici. J'obtiens donc 125, c'est équivalent à 5 fois la valeur de ma parenthèse. Je vais appliquer l'opération pour éliminer la multiplication par 5. Donc, j'obtiens que 25, c'est le résultat de ma parenthèse au carré. Et pour éliminer mon carré ici, bien, je vais évaluer la racine carrée. C'est à ce moment-ci que je vais voir apparaître mes deux solutions. Donc, ma parenthèse x moins 6 va donc être égale à la valeur positive de ma racine de 25, ou ma parenthèse x moins 6 va être l'équivalent de la racine négative. Je me retrouve donc avec deux équations du premier degré. Et pour résoudre ces équations-là, j'utilise mon petit concept de balance. Donc, j'isole ma valeur de x. Donc, première valeur de x, c'est 11. Et deuxième valeur de x, je vais obtenir que le x est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier zéro ici a une valeur de 1. Donc, c'est le point de coordonnée 1, 0. Tandis que l'autre, ça va être le point 11, 0. Donc ici, lorsque l'équation est écrite sous la forme canonique, c'est quand même assez rapide. On pose une équation égale à 0 et on fait une isolation de variables. On retrouve nos deux solutions au moment où on extrait la racine carrée, puisqu'il faut toujours penser à la chance, à la valeur positive de la racine ou la valeur négative de la racine. Je retrouve donc mes deux valeurs. Je peux aussi faire une petite vérification, puisque j'ai mes deux abscisses à l'origine, et que mon h devrait se retrouver au milieu de 1 et de 11. Donc, 1 plus 11 divisé par 2, ça me donne 6. 6 qui était la valeur de mon h. Donc, je peux toujours vérifier mes valeurs. Et voilà!